Rebonjour à tout le monde. Tout le monde est prêt? Bien, donc avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, pour les utilisateurs de Linux, on a pu obtenir hier la version 32 et 64 bits de Saga et puis de ODB. Je l'ai mis sur la clé pour qu'on puisse vous partager ça. Okay. Au niveau du GEPCO, il n'y a pas de version Linux pour GEPCO. Alors donc, on a trouvé une alternative qu'on va vous présenter après. Il s'agit d'utiliser les fichiers de 1 degré et puis de 30 secondes qu'on va extraire le grid et puis on va vous donner pour que vous puissiez le processer dans Saga. Ok? Voilà. Mais il y a aussi une possibilité en ligne. On peut faire aussi un traitement de GEPCO en ligne. On télécharge directement le fichier en ligne, vous définissez la zone en ligne et tout le traitement se fait en ligne. Il y a une possibilité comme ça aussi en ligne. Voilà. Donc moi je parle fort, ça va. Hein? C'est vrai, ça va. Vous m'entendez, non? Même dans le fond, on m'entend? Ouais. Pas besoin de micro. Hein? À défaut, vous êtes deux. Il faut travailler sur les desktops. C'est ça, pour le moment, vous travaillez sur les desktops. Ouais. Parce que déjà, vous avez commencé le travail sur les desktops. Il y a des fichiers que vous allez utiliser pour vos débuts. Pour les deux qui font Linux. Donc quand vous serez rentré à la maison, vous allez faire les installations, ça vous permet de prendre le train en marche à partir de demain. Ok? Sur ce, on va commencer. Hier, je reprends rapidement. Hier, nous avons vu GEPCO, le logiciel de bathymétrie, qui permet donc de générer la bathymétrie. À partir de ce logiciel GEPCO, nous avons donc défini une zone de travail qui était la zone qui était couverte, qui couvre le Libéria, dont les coordonnées étaient 23 ouest, entre 23 et 3 ouest de longitude, et entre 9 nord de latitude et 6 sud. C'était ça la zone. Donc sur cette zone, on avait extrait les contours bathymétriques et on avait extrait aussi la ligne de côte. C'est ça? Et on les avait enregistrés. C'est là que nous étions arrêtés hier. Donc ces fichiers, nous allons maintenant les utiliser dans Saga. Mais comme je ne vous ai pas encore présenté Saga, je vais commencer d'abord par Saga. Ok? Voilà. Donc c'est ce qu'on fera aujourd'hui. La version de Saga qu'on utilise, c'est la version 2.3. Alors donc Saga, c'est un logiciel qui... Voilà, c'est dit dessus. System for Automated Geoscientific Analysis. C'est un logiciel donc qui fait de l'analyse géoscientifique. Il est beaucoup plus utilisé dans le domaine de la topographie, pour faire les MNT et tout ça. Mais aussi, on peut utiliser pour faire le traitement des fichiers shapefile et ou des fichiers raster. Il est aussi utilisé dans ce cadre qu'on l'utilise ici. En plus, c'est un logiciel qui a été publié open source depuis 2004 et qui de plus en plus s'améliore. On est aujourd'hui à la version 2.2.3, qui est une version qui devient de plus en plus stable. Cette version, elle est disponible depuis 2015. Alors, Saga a une particularité. Bon, il ressemble un peu à l'ensemble des logiciels qui commencent à être développés dans le SIG. Il fonctionne sur des modules. Et ces modules sont regroupés dans des librairies. Pour ceux qui connaissent MATLAB, pour ceux qui connaissent Python, c'est un peu la manière que ça fonctionne. Hein. On a des modules ou des fonctions qui sont regroupés dans des librairies ou bien qui sont regroupés dans des... Comme vous appelez aussi là, des... Oui? Morpho. Métrique. Oui. Il renvoie beaucoup à la biologie. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faudrait mieux utiliser un autre terme qui fait moins à la. D'accord, merci. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était pas importé des données de biologie. Oui, pourquoi pas. Ça dépend du format sur lequel vos données se trouvent. On peut les importer dedans. On peut même les importer dedans. Oui. C'est ça. Alors donc, voici l'interface. Oui. Il faut oublier par rapport à ça, mm-hmm. que ce qu'on a dit, même les données biologiques, en termes même de biomasse, de trace, toujours si c'est... On va y revenir avec tout à l'heure, Saga et ODV. Si le fichier est bien structuré, il y a les formats de structure du fichier, l'information X, Y, Z et la biomasse ou le truc dedans, ça peut se visualiser. On peut le visualiser sur Saga. On peut le transformer en shapefile ou en raster. Et visualisé sur Saga. Mm-hmm. Alors donc voici une interface minimale pour la nouvelle version. On verra ici qu'il y a une barre d'outils. Cette barre d'outils là, c'est une barre de menu. Il y a File, et ainsi de suite. Il y a Geoprocessing, il y a Window et puis il y a le menu d'aide.
y a la barre d'outils ici qui, au fur et à mesure, va changer. Vous allez remarquer que cette barre d'outils changera au fur et à mesure qu'on va importer des objets dans l'espace de visualisation. Alors, là, ici, c'est la zone de travail qui maintenant s'appelle Manager. Avant, ça s'appelait Workspace sur les anciennes versions. Donc, c'est le Manager ici. C'est la zone de travail parce qu'en fait, c'est là que se trouve l'ensemble de tous les modules que vous allez utiliser pour travailler. OK? Alors, je disais tout à l'heure que Saga, il fonctionne à partir des modules. C'est les modules que vous voyez en couleur bleu, 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 ce que vous voyez en bleu. Et c'est l'ensemble de ces modules se regroupe dans des librairies. Et toutes les librairies se trouvent dans un onglet qu'on appelle Tools, c'est-à-dire les outils qu'on utilisera pour Saga. OK? Donc là, j'ai ouvert ici un peu la librairie Grid, et puis vous voyez dedans, ainsi de suite, les autres modules. À côté de du workspace des librairies, il y aura une fenêtre que vous verrez aussi apparaître très souvent, c'est la fenêtre des propriétés. Sachez que Saga, c'est un peu un logiciel qui est orienté objet aussi. OK? Donc l'ensemble des outils, l'ensemble des éléments qu'on aura à traiter sont des objets. Et à un objet, il lui est attaché des propriétés. OK? Donc c'est ces propriétés qu'on pourra modifier pour donner à l'objet la visualisation qu'on veut lui attribuer. OK? Donc on aura par exemple à donner des couleurs, on aura à donner des formes, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on fera avec la fenêtre des propriétés. Il y a des autres fenêtres qui sont en bas sur la nouvelle version qui vous permettent d'avoir accès à vos dossiers. Bon, j'ai laissé ça tomber parce que pour l'instant, pas besoin. On peut travailler sans que vous ayez à toucher ça, ça. OK? Oui, une question? Quand vous dites que Saga est le seul orienté objet, donc on peut faire l'offre de la programmation? Oui, de plus en plus, et maintenant même d'ailleurs, on commence à associer Python, on commence à associer MATLAB aux dernières versions de Saga. Il y a de la programmation derrière. La version existante, c'est C++. Oui, c'est du C++. C'est du C++. OK. OK, alors, je continue. Vous verrez dans Saga, tout à l'heure, lorsqu'on va importer les données, quelquefois vous verrez apparaître des choses comme ça. Donc, rapidement, hier, on avait vu. Ça, c'est un exemple de raster. C'est un exemple de raster. Ici, c'est un exemple de shapefile. C'est des lignes. C'est un peu comme ce qu'on avait vu hier. Les contours bathymétriques, c'est des lignes. Un shape aussi, ici, c'est des points. Alors, hier, je disais que les shapefile, shape en anglais, c'est la forme. OK? C'est la forme. On dit forme parce qu'une ligne, c'est une forme, un cercle, c'est une forme, un point, c'est une forme, un octogone, c'est une forme, n'importe quoi. Okay? Donc, on ne peut pas les donner un nom particulier, on a dit shapefile en anglais. Okay? Donc, ici, c'est un shape, mais c'est des points. Ici, c'est un shape, mais c'est des polygones. C'est-à-dire que c'est les pays représentés, les surfaces des pays qui sont représentées. Donc là, c'est des polygones que vous voyez là. C'est ce fichier-là tout à l'heure qu'on va vous donner parce qu'on va l'utiliser dans Saga. Okay? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de définir donc l'espace sur lequel on va travailler et puis un certain nombre d'outils ou bien de petits objets qui nous seront très utiles pour travailler par la suite. Donc on va définir une grille, on va définir un rectangle qui n'a pas de fond et puis on va définir aussi d'autres grilles qui vont nous permettre de travailler sur les rasters. Okay? Ces genres de grilles vont nous permettre de travailler sur les shapes et puis celui-là va nous permettre de travailler sur les rasters. Voilà. Alors donc, d'abord on va définir les coordonnées de la zone d'intérêt. Hier on l'avait déjà fait dans le cadre du ODB. On a donné les coordonnées, c'était pour l'étude sur le Libéria, c'était moins 23 à moins 3, et puis en haut, 9 et moins 6 en bas, c'est ça? Voilà, donc on l'avait déjà fait hier, on va utiliser ces mêmes coordonnées pour travailler aujourd'hui dans Saga. Alors donc je disais que les graticules, c'est en anglais, hein? C'est en anglais, c'est des grilles qu'on va fabriquer, ce sera des shapes. On aura aussi à fabriquer un frame qui est, en fait si vous voulez, c'est un genre de rectangle, soit il aura un fond, soit il n'aura pas de fond. Quand il aura un fond, ça fait une surface. Quand il n'y aura pas de fond, c'est une ligne fermée, OK? C'est simplement une ligne fermée. Et puis, il y aura ce qu'on appelle les grid systems, c'est les dummy grid. Si vous voulez, c'est ces gens, les dummy grid vont nous permettre de couper des rasters. Vous avez vu tout à l'heure, par exemple, celui-là. Ce raster qui est la carte de l'Afrique. Si on devrait couper une partie de cette carte, on va utiliser donc notre dummy grid qui va nous servir de modèle pour pouvoir couper, OK? Alors donc, comme j'ai dit, vous voyez ici, ces données vont nous permettre donc de réduire la plupart des données globales sur notre espace de travail, sur notre aire de travail. Voilà. Alors, on a pris donc l'exemple. Moi, j'avais pris ici. Ce que vous voyez ici, c'est l'exemple que j'ai pris où se trouve dedans le DCLMI, la zone du Golfe de Guinée, une partie du Golfe de Guinée. Mais ce qu'on avait utilisé, nous, on va utiliser, c'est pour le Libéria, OK? Voilà.
Alors donc tout de suite, est-ce que tout le monde a Saga? Tout le monde a Saga? Il ne s'installe pas, hein? On clique sur l'exécutable et puis ça se lance. Vous avez installé ça hier, non? Vous prenez Saga, le dossier où se trouve Saga, vous l'ouvrez, vous allez voir un exé dedans. Et puis cet exé, vous l'envoyez en raccourci sur le bureau et puis vous cliquez là-dessus, vous cliquez là-dessus. Ça y est? C'est bon? Voilà. Vous avez lancé, vous allez voir une fenêtre comme ça. La fenêtre que je vous ai montrée au début là. La fenêtre que je vous ai montrée au départ. Vous allez voir cette fenêtre là. Pas celle que vous voyez ici. Hein. La fenêtre de départ. Ok? Il y a un souci? Attends, avez... Ok. Il y a un exé qui s'appelle Sagagi, en bleu. Où vous voyez l'icône de Saga, ok, vous double-cliquez là-dessus. Il se pourrait que vous ayez un message, un type qui a carré, un message au début, bon, il faut décocher pour que chaque fois ça ne revienne plus. Voilà, voilà. Vous avez vu, vous voyez, c'est bon pour tout le monde maintenant. Ah, on avance, c'est pas encore bon.